trempé par la neige fondue. C'était facile quand j'étais petite. Le village abandonné dont Maria m'a parlé, il a été dévasté. Je saurai quoi en faire.
Les voilà, des veilleurs corrompus. J'ai fait mon possible pour éliminer la corruption de cette vallée.
Il est temps d'aller voir si les Karja me laisseront traverser les montagnes. On ne sait jamais, ça peut servir. Toujours utile, mais très amer. Je dois me préparer. Des bruits de combat. La forteresse Karja serait attaquée ? Thank you.
la porte, maintenant? Faites ce qu'elle dit! Ouvrez les portes! Et allez prévenir le capitaine Balan! Où est-ce que tu vas, fillette? À l'ouest! À Méridian! Dans le meilleur des cas, la voie des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridian il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée. D'accord. Merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudente, Nora. Ça me donne envie de retourner très vite à la requête. Il paraît que la corruption s'est étendue à travers les Liomes. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je suis sous les ordres du Roi Soleil et prêt à protéger la zone. Capitaine Balan, un garde m'a dit que vous étiez allé à Méridian. Vous pouvez me dire ce qui m'attend ? Rien de bon. De plus en plus de machines, et nos éclaireurs ont signalé des corrompus. Comme quoi, la sécurisation. Reste sur la route, c'est moins risqué. Quoique, vu tes exploits, j'imagine que tu n'es pas peureuse. C'est une qualité. J'aurais besoin de ton aide, si tu veux bien faire un crochet par l'Est. Tu dois trouver que j'exagère de te demander ça après tout le reste. Mais, en échange, je répondrai à tes questions, s'il y a des choses que tu veux savoir sur l'hélium. À quoi sert cet endroit exactement ? Le rempart marque la frontière orientale du territoire Karja. Comptoir commercial, point d'étape. Il a plutôt mauvaise réputation. Sous le dernier roi, ce temps est révolu. Où en sont les relations entre les Karja et les Nora à présent ? Le roi Soleil Avad veut la paix, comme les matriarches, semble-t-il. Mais les blessures ne guérissent pas vite, l'humain est orgueilleux. Ma mission est d'éviter toute nouvelle provocation de l'Hélio. Ton peuple est en... C'est comment, Méridian ? Ça a beaucoup changé. C'est très vivant. Rien à voir. On est alliés avec... Alors, les Karja et les Océram sont alliés ? Difficile à croire, mais oui. Mais pas tout seul. J'étais avec eux. On voit beaucoup d'Océram en ville. Qu'attendez-vous de moi ? J'ai envoyé des patrouilles à l'Est quand on nous a signalé des corrompus. Mes craintes étaient bien fondées. J'ai donc fermé les portes. Mais plusieurs de nos hommes étaient encore à l'extérieur. Walid, explique-lui. Les machines nous ont attaqués près d'un village Nora déserté. L'Akira a ordonné le repli. Et j'ai perdu les autres de vue. Tu n'as jamais vu de guerrière Nora, soldat ? Fais preuve de respect. Parle-lui à elle directement. L'Akira nous demande toujours de revenir à la base, et c'est ce que j'ai fait. J'ai la cruelle sensation de les avoir abandonnés. Maintenant que les portes sont ouvertes, je peux lancer les recherches. Pourquoi ne pas envoyer plus d'hommes pour les chercher ? Walid pourrait y aller ? La plupart des Nora n'aiment pas beaucoup les soldats Karja. C'est risqué d'envoyer des patrouilles si près de vos terres sacrées. Je préférerais donc éviter.
Mais toi, tu n'auras pas ce problème. Allez, dis oui. Que dis-tu, soldat ? Rien, monsieur. Vous pouvez m'en dire plus sur la route allant à Méridian ? Le roi Soleil Avad a mis en œuvre une quantité de ressources pour la sécuriser. Mais le Soleil m'en est témoin. Il est plus dur de le contrôler maintenant que pendant la guerre. Les machines deviennent de plus en plus dangereuses, sans compter les bandits et l'apparition des corrompus. Nos hommes sont répartis sur quelques avant-postes. Quant aux autres zones, eh bien, elles ne sont pas protégées. Un Océram du nom d'Oline est venu ici ? Deux fois, avec la délégation royale envoyée chez les Nora. Ils sont passés à l'aller et au retour. Ils nous ont raconté l'attaque dont ton peuple a fait l'objet. Je te présente mes condoléances. Vous savez où il se trouve ? Pas précisément, mais je suis sûr d'une chose, il allait à Méridian. Tout le monde va à Méridian. J'essaierai de retrouver vos disparus. Je t'en remercie. Et Walid encore plus. T'as entendu, tête de nœud ? T'auras pas à y aller. La corruption se propage.
des terres sacrées. Je dois trouver Olin et apprendre tout ce qu'il sait. Qui étaient les tueurs? Comment ils m'ont vu dans son focus? Qui est cette femme? Celle qui me ressemble. Pourquoi ils veulent ma mort? Les traces d'Olin mènent vers Méridion. Je ne verrai pas vivre ailleurs. Quand je l'aurai, il parlera. Passe et il paiera pour les vies qu'il a ruinées. Il n'a rien à faire ici. Je garde ça pour la route. Fumée noire, guenilles rouges, encore des bandits comme ceux de la soif du démon. Il ne neige plus, je vais pouvoir me dégourdir. Thank you.
patrouille du capitaine Balan a dû croiser des machines à cet endroit. Un des soldats Karja est mort. Les autres soldats ont dû battre en retraite. Mais où ? Encore un soldat Karja. Au moins, il n'a pas souffert longtemps. Voilà qu'il me chasse. Ça ne peut pas être le casque du dernier soldat Karja. Il a failli se faire décapiter avant de prendre la fuite. Parfait pour un remède traditionnel.
Il y a du sang partout. Une machine a traîné quelque chose jusqu'à l'eau. Mais il a peut-être réussi à atteindre l'île. Cette machine a l'air coriace. Ça se gardera.
Le ciel s'éclaircit. L'aube est proche. Focus verra peut-être ce que j'ai raté.
appeler des renforts. Machine et je descends de la bibine. J'ai trop rempli mon verre, je vais finir par terre. Je pense à ces... Je ne pensais pas être retrouvé. Encore moins par une Nora. Et je pensais pas trouver un Karja débraillé rond comme une queue de pelle. Je m'excuse pour ma conduite. Je me voyais déjà mort. Allez. Ton commandant m'a demandé de te ramener au rempart. Pas question d'être accompagné là-bas par une Nora, comme un prisonnier. Bien, on rentre tout seul. Attends, écoute, je me suis fait attaquer par un carapateur. Il a dévoré mon armure et emporté mon arc. Ce monstre est encore dans l'eau. C'était donc ça l'arc que j'ai trouvé sur son cadavre. Tu l'as battu ? Toute seule ? C'est pas croyable. Tu veux ton arc ou pas ? Merci. Je voulais pas mourir en territoire étranger, comme les autres. Que le soleil éclaire leur chemin.
Ce serait vraiment bien s'il ne me cherchait pas. Je dois être hors de danger. Je vais mettre ça de côté.
un combat. Ces machines ont reçu des flèches de Brave. Ça a dû être le chaos. Les traces de machines vont vers les ruines. Il y a des empreintes de pas aussi. Ces machines ont reçu des flèches de Brave. Ça a dû être le chaos. C'est pirater les dents de scie, si je peux m'en approcher. Thank you.
rien. Paria qui est devenue brave? Mais qu'est-ce que tu fais là? Votre ami Den m'a demandé de vous retrouver. Tu fais quoi là-haut? Le Dancy a arraché nos besaces. Ma besace. Bref, sans nos armes, on a été obligés de se réfugier ici.
Merci d'avoir éliminé ce monstre. On va pouvoir rentrer chez nous. Au fait, tu diras à personne que tu nous as vus ici, hein? Vu qui? Pas ton ami, en tout cas. Besoin d'aide pour descendre? On va se débrouiller. C'est pas pour te vexer, mais ce serait mieux qu'on nous voit pas avec toi. Les gens pourraient comprendre. Je l'ai bien cherché. J'aurais dû sortir de la vie. J'ai retrouvé tes amis à l'endroit indiqué. Ils te rejoindront bientôt. Oh, merci. Merci, merci, merci. Quel soulagement. Tu ne diras rien à personne, hein? T'inquiète pas. Les matriarches sont en train de chanter l'hymne de rédemption. Vous ne risquez rien. Tu as raison. L'hymne va tous nous purifier. Merci. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais bon... Certaines choses nous dépassent. Expurge toute corruption. Ça se reproduira. Mais n'oubliez pas ceux qui sont tombés à cause de la corruption. Massacre. Ayez pitié des Nora. Tout s'écrit. Tout se sent. Ça fait mal, mais j'ai gagné en expérience. J'imagine que mon tour va bientôt venir de toute façon. Les plus courageux d'entre nous.